Allez, salut à tous, les amis, c'est Learn to Play, et je suis toujours en compagnie de mon cher Yann Hamu. Tout à fait, bonjour à tous, ici Yann Hamu, bienvenue sur SimCity 5, le deuxième épisode de notre série commune avec Learn to Play. Woohoo! De mon point de vue, on va commencer par aller lui rendre une petite visite de courtoisie. Non, je t'ai bloqué l'entrée, je t'ai dit, hein, je t'envoie ma merde, mais par contre, tu rentres pas, hein. C'est interdit. Non, mais... Je suis rentré dans une ambulance, en fait, c'est pour ça. Ah ok, d'accord, t'es camouflé, t'y vas incognito, genre et tout. Ouais, j'y vais incognito, bon, genre et tout. On peut voir que mes comptes pas sont, eu déclenché une catastrophe, sont tout beaufils. Non. 124 000 $, enfoiré, comment t'as fait? 130 000, pardon, je me fais 4 000 $. Il faut croire que mes industries vendent pas mal, hein, les marchandises. Enfin, le commerce est une très bonne... très bonne chose si vous manquez d'argent, c'est un conseil. Donc... caserne de pompiers, tout ça. Ouais, j'ai un service clinique. Une clinique. Ah bah tiens, bah voilà. Ma clinique est pleine d'ailleurs. Je vais rajouter un. Bah, il me semble pourtant que j'avais rajouté. Ah oui, non, d'accord, elle est là, j'avais pas vu. On va rajouter une deuxième. Une aile de chambre. Ah, il pleut chez toi, clinique. Il pleut, il y a de la pluie. Ouais, même en vrai d'ailleurs. Swag. Hein? Même en vrai. Ouais, t'as aussi l'envers. Ouais, ouais. Il fait un temps de chiottes. Et quand on carrément. Y pense, mon service de santé, voilà, j'ai 2 morts par jour. C'est un petit peu. C'est un peu glauque quand même, 2 morts par jour pour une ville de 6000 habitants. Ça fait beaucoup de morts en peu de temps. J'ai eu une mission aussi pendant que. Bah, en fait, faut qu'on vous dise, on a tenté de tourner une première fois, sauf que ça a été la merde. Yann avait des freezes et tout. Bon, c'était un peu la merde. Résultat, on a recommencé, même. Bon, on a construit un tout petit peu, moi j'ai rajouté un peu d'industrie ici, j'ai rajouté quelques boutiques puisque la demande commerciale était assez élevée, donc j'ai fait une petite zone par ici, j'ai rajouté encore des carrés pour s'étendre vers le haut, et j'ai aussi accepté une mission pour aider le docteur Vu, c'est-à-dire le mec, le roi du crime, le prince de la pègre, je sais même pas si... Tout à fait, de mon côté, moi j'ai reconstruit 2 carrés de résidentiel avec toujours ma ligne ici, de commercial, au milieu du résidentiel. Personnellement, j'adore ça. Je vais continuer un petit peu dès que j'ai de l'argent. On va également commencer à inaugurer service de pompiers et police. En passant également par une clinique, parce que je pense que ça va s'avérer être nécessaire. On va essayer, toujours dans cet épisode, de rajouter une deuxième éolienne. Et je pense qu'on va laisser tourner la ville, histoire d'essayer de gagner un petit peu plus de sous, parce qu'on est pauvre. On est pauvre, c'est la pauvreté la plus. C'est pas le cas pour moi. 125 000 de thunes, écoute, je veux dire, tout mais se porte fait, pour le mieux. Eh bien écoute, je te dis, mes industries produisent et vendent sur le marché, ce qui me rapporte beaucoup d'argent. Je vais en rajouter d'ailleurs, et on va pas tarder. Ah, attendez, non. Faut pas que je fasse la connerie, je vais d'abord vérifier... Ah, j'ai construit en plein milieu. Non, ça c'est une bourde par contre. Je vais détruire ici. Je détruirai ici dès qu'on commencera à miner. Oh, j'ai des j'ai construit en plein milieu sur les veines. T'as des quoi? J'ai des marchands de beignets industriels chez moi. De beignets industriels, pareil. On va d'abord s'occuper des services avant de continuer à faire de l'industrie. Vous voyez, service des déchets, effectivement, on va réduire un petit peu la vitesse, histoire de... Ouais, là, les poubelles, ça devient critique chez moi. Ok, on va construire une décharge qui me coûte 300 de l'heure et 9000 à l'achat. Bon, hein, je suis obligé de faire ça, je vais le faire. On va le faire dans un endroit... Ah, le vent, il a tourné un tout petit peu. Non, ça va, ça peut aller. On va le faire là, à côté de l'entrepôt commercial. Je te propose de partager, Yanamu, non? Partager quoi? Le service de déchets. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu veux t'en occuper? Bah écoute, je viens de le construire et je peux brûler les déchets. Oh bah ouais, si tu veux, ouais. Je peux éviter les déchets, je vais construire un incinérateur. Parce que moi je suis un pimp, j'ai de l'argent. Hop, moi, voilà. Ce menu. Super, magnifique. Je vais rajouter peut-être, avant de quitter... Mince. Je vais rajouter un camion en plus. Voilà, on va faire 2 camions. 2 camions poubelles pour aller récupérer les ordures. Donc si tu veux, je pense que tu peux m'acheter des choses là. Si je dis pas de conneries. Oulala, c'est la merde. Non merci. Ouais, je vais venir t'acheter. Non merci. Ça manifeste à la mairie. À cause des poubelles, c'est un petit peu la merde. Va falloir aussi que j'augmente la densité de mes routes.
très bientôt parce que là, les poubelles, ça devient critique. Nous attendons le passage des éboueurs. Ouais, bon, ça prendra effet que tout à l'heure. Pour l'instant. Bon, en attendant, ça se développe lentement, mais ça se développe sûrement. Je vais construire quelques parcs. Quelques petits parcs. On va prendre du parc naturel. Histoire d'augmenter un petit peu la valeur du terrain. Un petit peu partout. Voilà. Voilà, nous sommes en train de rajouter des zones d'industrie parce qu'il le faut. C'est parfait. Ouais, on veut plus de bonheur, plus de budget, plus de sous. Plus de sous. Moi, je me fais 3300 personnellement. Ah, et j'ai réussi à régler un petit peu le problème des ordures pour le moment. Vu qu'ils ont vu. Ouais. Ouais, pour l'instant, c'est cool. Je vais. Allez, nous allons bâtir une première caserne de pompiers, nous. Je vais augmenter mes routes. Comment on fait pour. Ah oui, améliorer. Je vais les augmenter. Alors, par contre, il faut juste que je prévoie qu'ici, là, il va y avoir une avenue également. Histoire que ça fasse un peu plus propre. Bon, ça va me coûter. Nous sommes en plein dans mon centre. Oula, 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 oula. Je crois que je déborde un petit peu. On va. Je vais venir te rendre visite, Yanamu, je pense. Oh oui, regardez-moi ça. Ma mairie, elle est construite juste sur un puits de charbon. Mince. Ah, bon, c'est pas grave, on a l'autre là-bas. Champion. Et le minerai s'arrête ici, d'accord. Donc notre ville, elle va s'arrêter là. Hein. Je peux venir voir ta ville, Michel? Oui, tu peux venir. Vas-y, viens, entre. Attends, je finis juste. Alors, les casinos. Où est-ce que je construis les casinos? Le reste, je le ferai plus tard. Ça coûte un petit peu d'argent. Casino, effectivement, oui, les casinos, c'est. Bon, voilà, vous voyez déjà que ça fluidifiera un petit peu plus le trafic, normalement. Si alors, vous voyez ici, la zone qui apparaît en vert, c'est la zone d'influence du bâtiment. Tout à fait, tout à fait. Si jamais là, je vais juste finir par une zone commerciale. Donc là, oui, il m'en faudrait deux pour aller bien. Donc, on va en mettre une ici. Hop. Paf ! Je vais installer deux zones commerciales. Hop, voilà, hop comme là. ça satisfiera la demande. Bon, eh bien, je vais te rendre visite, Jangui. Alors, comment je fais rendre visite? C'est parti pour une petite visite improvisée à Pouimpeng. Pouimpeng. Bon, là, il faut savoir, par contre, qu'on tourne le deuxième épisode direct, donc vous n'avez pas eu le temps de voir le premier, déjà. Bon, on en fait 2-3, je pense, au début, avant que vous rejoigniez. Oui. Histoire, voilà, de lancer un petit peu le truc. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un skatepark. D'accord. Ah, mais tu as une ville bien... Non, mais t'es un malade, t'as fait des avenues énormes dès le début. Oui. Putain, mais c'est pour ça que t'as pas de thunes. C'est pour ça que t'as que 26 000. Tu fais des grosses avenues, toi, dès le début. D'accord. Eh bien, écoute, oui, c'est ça fait très très massif pour l'instant, mais ouais, tu prévois pour plus tard, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Par contre, ouais, tu lances un petit peu d'industrie, ouais, c'est pas mal. Tu as 4400 habitants. Eh bien, écoute, tu as une ville charmante, je pense retourner chez moi. Je retourne à Palomino, dans ma petite ville, où règne le bonheur et le crime. Oui, c'est possible. Le crime. C'est fort possible. Tant qu'ils viennent pas chez moi, t'es criminel, moi ça me va, tu sais. Ouais. Pas très exigeant. T'inquiète pas, je vais te les filer déjà. Je vais construire un poste de police d'ici très peu de temps, mais pour l'instant, j'en ai pas trop besoin. Vous voyez, ceci va vraiment être notre total centre-ville ici, avec ces petites avenues commerciales, etc. Ici, nous avons une petite zone d'industrie pour l'instant. Ici, on va encore faire du résidentiel parce qu'on en a là, quoi. Je vais essayer de m'étendre par ici aussi, ce serait cool. Alors, du commercial, tiens, on va faire un commercial ici. Je vais m'étendre par là. Tac. Voilà. Et on va continuer par ici. Mince, je vais prendre du carré. Bon, ce sera une ville très carrée. Hein. Juste celle-là, ce sera juste cette ville-ci qui sera, pour le coup, très carrée. Et ici, on va pas mettre de route au milieu, histoire qu'il y ait de la place pour les habitants. Pour évoluer en densité. Je pense que je vais faire une école aussi. Ah, attendez, ils me demandent quelque chose. Voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont encore. Oh, mais c'est bon, docteur vu, non? Maximan, putain, par contre, ça c'est chiant. Mes résultats, ils me demandent. Attendez, ils ont encore une demande. What? La taille de cette éolienne. Ah, il y a une déléguée de la mairie qui me demande learn to play. On fait un pari, disons 5200$. Si vous arrivez à faire venir 100 Sims dans nos parcs au cours de 3 prochains jours, c'est dans la poche. Allez, j'accepte ma poupée. J'accepte. Alors maintenant, je ne sais absolument pas comment on réalise les défis. Je suppose que les Sims, ils vont tout seuls. Vous voyez, j'ai des parcs ici. Dépense de l'énergie. Damien Ruiz. Yeah, ville de banlieue, j'ai gagné un succès. 10 000 habitants. Oh là 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 là.
10 000 habitants, je peux construire ma baraque. Je peux construire ma baraque. Alors, où vais-je construire ma maison? Je pense que je vais la foutre là. C'est parfait ici. Tac. J'ai construit ma maison. Ouais, il y a plein de bonheur. Plein de bonheur partout. C'est, bah écoute, bravo. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. J'ai construit ma baraque de pimp. Et ça. Ah, génial. Des Sims plus riches ont décidé de venir s'installer. Vous voyez, avec de superbes petites maisons. On va mettre le temps lentement. Yeah. Quelle odeur ? Ah non, quelle est cette odeur ? L'industrie déclare qu'elle a l'intention de continuer à agrandir ses usines. Oups. Apparemment, il y a des odeurs pas super... J'espère que le vent n'a pas tourné. Non, c'est bon. Normalement, la pollution se dirige à l'extérieur. Ah, mais c'est peut-être ta pollution qui vient vers chez moi, alors. Comment fait-on pour voir la pollution ? Pollution... Pollution de l'air. Non, c'est bon. Non, non, c'est bon, la pollution s'en va pile à l'endroit où je veux, vous voyez, là. Ça pollue beaucoup, mes industries sont très très polluantes. Mais c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Ah, bah tiens, j'ai encore un succès, éboueur, 10 tonnes d'ordures. Ça, c'est la classe. C'est la maxi classe, c'est la maxi classe. Est-ce que mon défi... Ah, il reste 68 heures, ouais, pour l'instant, j'ai pas complètement réalisé le défi. Je vais construire encore quelques parcs. Et je mettrai bientôt une école. Y'a le feu, y'a le feu chez moi, y'a le feu. C'est normal, c'est normal. Elle est où le feu? Tac. On va mettre un parc ici, oh, faut y'a faire le attention. Y'a le feu dans les usines, y'a le feu. Ouh, j'ai une grosse usine qui va s'implanter là. C'est parfait ça. Bah écoute, je te propose de lancer la spécialisation. Je vais construire, je vais montrer à nos chers viewers la... C'est quoi ça? Ah mince. Juste avant ça, je vais détruire cette ruine. Je vais commencer à construire mon premier puits de pétrole. De pétrole. Que pour... Oh là 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 là. Mon premier... Tu t'avais dit quoi pour le charbon? Un puits de charbon. Un puits de charbon, d'accord. Bah c'est parti, un puits de charbon. Alors pour ça, il suffit d'aller dans spécialisation, dans l'icône spécialisation de la ville. Et dans... Mine, ça marche aussi, hein. Ouais, mine, ouais. Et dans extraction, voilà. Mine de charbon, voilà. 24 tonnes par jour, 22 500. Et bon, ça coûte pas trop trop cher à... C'est génial. Ici, j'aurai une forte production. J'aurai une très forte production. Voilà, on a 5000 résidents. Alors, faut que je choisisse le bon endroit. 241 tonnes. 246, 250. 253, 255. Ah, on vient d'améliorer notre hôtel de ville. Ah, parfait. Bah, ici, c'est le meilleur endroit. Tac. Voilà, ah. Nous avons construit notre puits de charbon. Alors, maintenant, on va bien sûr lui rajouter des extensions. Le petit panneau qui déchire tout. Le petit panneau de la déchéance. J'ai déjà un camion. Il est juste là. Pour l'instant, on va le laisser. Et on va rajouter, par contre, des puits de mine. Voilà, des puits de mine qui coûtent 14 000 l'unité. On peut en construire deux. Mon ami, je peux commencer à construire un ministère. Ah, déjà. Ça sera applicable sur toute la région. Déjà, déjà. Et là, je suis en train d'hésiter entre les services publics, donc l'eau, les eaux usées, le recyclage... Ou bien la sécurité, pompiers, police et clinique. L'autre, parce que moi je veux beaucoup de criminels, donc ce serait mieux. L'autre. Mais moi j'en veux pas de criminels. Ah ben mince, j'ai amélioré ma mairie moi. Ah ben je l'ai amélioré. Oui, c'est ce qui est bête, t'as le même choix que moi en fait. Ok, d'accord. Ça, on verra ça après. Commerce. Qu'est-ce que je peux faire, mon entrepôt commercial? Ah oui, alors par contre, lorsque vous vous spécialisez, il est important de ne pas oublier de regarder votre entrepôt de commercial. Et bien sûr de rajouter des aires de stockage si vous voulez les vendre sur le marché mondial et vous faire un pactole. D'ailleurs, bah, c'est ce que je vais faire. Je vais construire des zones de stockage de charbon. On va en construire limite atteinte. Mince. Ah mince, il me faut un deuxième entrepôt commercial. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire... Tac. On va construire ça et on va... Voilà. On va faire deux... Deux lieux de stockage pour les marchandises, les produits manufacturés, et deux aires de stockage pour le charbon. Voilà. Comme ça, c'est bon. Quoi, un bureau progressif? Bien écoute, je ne sais pas du tout. Bon, ma mine de charbon va commencer à produire. Bon, là, pour le coup, elle est fermée pour processus d'embauche. Bon, j'espère que ça va pas durer 100 ans. On va l'aider un petit peu. On va l'aider un petit peu. On va lui faire. Trois morts par jour. Du travail. Oh putain. Je viendrai pas chez toi. Allez hop, on rajoute du people, ça va c'est venir quoi, s'installer. Ça où c'est qu'on le trouve ça? Ça va venir s'installer progressivement. Alors est-ce que ça produit? Non, toujours pas. Et ça me coûte de l'argent cette connerie là. J'espère que
Ah, j'ai oublié de lancer le. J'ai oublié de lancer le chrono. Il s'est mis en pause, mon chrono. La centrale nucléaire. Mon chrono s'est mis en pause. C'est ballot. Ah, station de recharge, LIF. Ah non, il s'est pas mis en pause. C'est que j'étais pas sur le bon. Ah, mettre ça au coin là, tiens. Non, c'est bon. Le chrono est en marche. Parfait, désolé pour ce petit. Moment de latence. Du bonheur. Et ma mine est toujours fermée pour. Les voleurs traversent la frontière de Palomino! Processus d'embauche. Oui, je sais, c'est normal, je te les envoie. Je sais, c'est un cadeau. Je vais améliorer encore un petit peu les routes. Oula, attendez, ça commence à être un petit peu la merde niveau eau. Ah oui. Ah oui, je suis en déficit. Zone urbaine, 500 bâtiments résidentiels dans la ville. C'est parfait. Encore un succès. Donc il faut savoir que ce qui prend le plus soin en règle générale, ce sont les industries. Donc la caserne de pompiers, je vais la mettre. En fait, il m'en faudra deux. Je vais en mettre une ici à côté des centrales de. Je vais rajouter un château. C'est ça le bureau progressif. C'est quoi ça le bureau progressif? Je reproduis de l'eau. J'ai refait un château d'eau. Bon, par contre, le château d'eau, c'est très très limite. Une couverture contre les catastrophes. Trop fat. Bah écoute, on va mettre ça par là. Hein. Ah, c'est bon. Fermé pour coupure d'eau. Oh mince. Bon, je produis 2,5 tonnes par jour, ce qui est ridicule. Ridicule. Oh, encore un succès. Ambulancier d'urgence. Faites en sorte que 50 sims blessés soient recueillis et soignés. Génial. Bon, par contre, vous voyez, on peut voir qu'il nous reste 487 mois d'extraction sur cette veine de charbon. Donc j'ai intérêt à maximiser à mort la production. Bah, pour ce faire, on va d'ailleurs. Tac, voilà, je vais rajouter encore des puits. Ça me coûte de l'argent, mais c'est pas grave. C'est pour le bien de la production. Allez hop, on accélère. On reviendra voir ça plus tard. Bon, et c'est encore la merde. Ah, je suis encore en déficit niveau eau. Il faudrait que je voie peut-être une station de pompage, non? Est-ce que tu as de l'eau en rab, s'il te plaît? Sinon, je construis un autre château d'eau encore en attendant. Mais excuse-moi, je suis en train de faire ma caserne de pompiers. Ouais, c'est limite, hein. C'est limite niveau eau. Mes châteaux d'eau vont bientôt faillir. Je vais améliorer encore quelques routes. Hop. Tiens, regarde, je t'ai ouvert l'eau pour t'en vendre. Génial. Je vais t'en acheter. Comme ça, mes industries sont bien couvertes par les pompiers. Par contre, résidentiel, là, si ça brûle, les mecs, vous êtes dans la mouise. Hein. Alors, on va aller dans le rayon eau. Ah, Point Pain n'a pas d'eau à vendre. Est-ce que ça s'est pas actualisé? Ça s'est pas actualisé encore. Ça s'est pas encore actualisé. Ouais. Consommateur. Ah, il y a pas mal de choses. Employés, conseillers, ouais. Ah oui, ça je suis allé dans le... Ah, ça s'est pas actualisé. Bon, écoute, je viendrai voir ça après. Pour l'instant, c'est bon. Ah, c'est limite, hein, c'est limite. Bon, est-ce que ça produit ici? Ouais, bon. Ah, je suis aussi en panne d'électricité. Merde. Ah là là, j'avais pas vu. On va rajouter deux éoliennes. Ah oui, c'est sûr, hein. Quand on tourne au propre, c'est sûr que le rendement est pas super, super, super efficace. Tu vends de l'électricité, hein, si tu veux. Hein. Ah, j'ai vraiment pas assez d'électricité, ouais. Je vais t'en acheter, ouais. Attends, je vais d'abord attendre que mes éoliennes... Ouais, non, c'est bon, j'ai rajouté des éoliennes, c'est parfait. Par contre, ma mine de charbon se mettra jamais à jour, je perds trop d'eau, j'ai pas assez d'eau. Pourtant, il y a de l'eau, si, il y a de l'eau, c'est ça qui est abusé. C'est que ça met vraiment 30 ans. Eh, hey, tes camions poubelles viennent chez moi par contre. Je suis pas d'accord. Ouais. Non mais je refuse. Ah, c'est con, il y a une nappe phréatique pile à l'endroit de. Pile sur mes industries. Et je fasse une station de pompage ici. Ouais. On va attendre l'eau. C'est bon. Le problème d'eau est réglé dans la mine de charbon. On va rajouter un autre camion aussi pour l'instant, 10 000. Comme ça sera fait. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple maintenant d'évoluer dans SimCity. C'est encore fermé pour coupure d'eau. Oh putain. Il me faut encore. Écoutez, je vais rajouter un château d'eau. Tant pis si c'est pollué. Hop, voilà. Et j'ai encore eu un succès. Voilà, c'est bon. Comme ça. Ok, donc les miens là, ils demandent à évoluer en fait. C'est parfait. Bon, on peut voir que le niveau de pollution de l'eau est très faible hein, pour l'instant. Pour le moment. Vraiment. Pour le moment. Il y a des incendies. Je vais peut-être pas tarder à rajouter une école. Qu'en penses-tu? Je crois que je vais faire ça. Allez hop, une école. J'ai envie d'augmenter un petit peu le niveau d'éducation de mes Sims.
Oui. Comment placer un lieu de culte? Un lieu Je de suis culte, d'accord. je crois que c'est... Ouais, un lieu de culte. Un lieu de culte, ça me rappelle SimCity 4, mais... lieu de culte. Attends, je vais dire ça d'abord, je construis mon école. Je vais la construire le plus loin possible de mes industries. On va la construire là. Hop! Une magnifique petite école. Direct, je vais lui rajouter le petit panneau, le petit drapeau avec la pomme. Et alors, deux bus. Non, un bus scolaire pour l'instant, ça suffit. Et on va rajouter des classes. Voilà, comme ça, on est tranquille. On est tranquille. Et je vais de ce pas mettre des arrêts pour le ramassage scolaire. Voilà, hop. Hop, on va faire ça comme il faut. On va essayer de n'oublier aucun quartier de la ville, sans bourrer non plus, même si c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est parfait. Il en manque un ici. On va en mettre un petit au milieu. Et un ici. Voilà. C'est parfait. Toute ma ville est desservie. Nickel. Je peux accueillir 1000 Sims et je suis à 12 000 de population. Je vais essayer de réaméliorer. What the fuck? Je continue d'améliorer mes villes, mes routes. Et je vais essayer aussi d'augmenter les valeurs de terrain. Ce serait intéressant. Ça va. Le tuyau d'écoulement usé est bon chez moi. Ah, c'est parfait. Électricité, je suis bon. Parc, on va mettre des places. Ah ouais, des places. Il manque des places ici. L'eau, Ici, c'est je pas suis bon très. aussi. On va mettre une place là. Voilà. Avec un petit parc. Petit parc naturel juste à Allez, on va côté. mettre tout ça en accéléré. Waouh, vous avez vu le nouveau bâtiment qui sont développés chez moi, les gens? Bah non. Je commence à avoir des immeubles. J'ai des immeubles! Bien, bien, bien. Moi, je suppose parce que les routes ne sont pas assez évoluées. Je vais augmenter ça, on va voir. Ça coûte une blinde. Allons voir ça de près. Ça coûte vraiment une blinde, mais j'ai l'argent. J'ai l'argent, je suis tout bonnement riche. Ah, je peux suivre les gens comme ça. Ouais, si tu peux. Ouais. Ah, super, Ils volent. Voler. là, ça améliore. Oula, ça commence à être congestionné à un certain niveau. Vous voyez là, à l'heure, entre guillemets, qui n'a pas fait ses investissements de mettre en place des avenues dans tous les Non, mais sens, attends, là, je suis en train va d'améliorer mes rencontrer routes. de très 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 gros problèmes routiers que moi je ne Non, mais rencontrerai non, pas parce que attends. directement j'ai calé des avenues dans tous les sens. Et Attends, attends, ouais. attends, avant de parler, hein, parce que c'est pas encore. Hein. Voyez, moi, il y a en même temps, j'ai 4 voitures sur mes avenues. Hein, faut les Ah, piquer. voilà, moi j'ai 10 000 personnes chez moi, d'accord? J'en ai 5 000. Voilà, ok? Bon, ben les gens, je crois que moi j'ai plus. De mon côté, j'ai qu'à laisser tourner. Hein. Bon. Voilà. Alors j'espère que la densité va augmenter. S'ils veulent bien, nous adorons les nouveaux bâtiments de la ville. Bah c'est super. Qu'est-ce que t'as toi? Pourquoi il y a un petit soleil? Je me sens très bien à Palomino. Il y a tellement de nouvelles têtes à rencontrer. Je parlais avec des amis, nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il nous fallait un lieu de culte. Ah merde! Ah moi aussi, il me faut le lieu de culte. Alors voyons voir. Ah, je peux faire une. Qu'est-ce qu'elle a? Le lieu de stockage de votre mine a atteint sa capacité maximale d'extraction et est interrompu car vous manquez d'espace de stockage. Ouah, je peux planter des forêts. Comment ça? Ah mince, j'ai oublié de vendre! Ah, il faut que j'exporte! Eh oui, putain, j'ai oublié de vendre mon. On va exporter mon charbon pour 3600. 3600 Sims Flouze pour 10 tonnes. Bon, le charbon, c'est pas ce qu'il y a de plus. Mais bon, on n'en produit pas encore Oh, énormément. c'est trop beau! On n'en produit pas encore énormément. Il me faudrait. Attends, il faut que j'ai un. Il faudrait plus de lieux de stockage. Bon, pour l'instant, je gère un petit peu mal, mais ça fait longtemps que j'ai. Ouais, j'ai pas testé. On va laisser tourner, j'ai mis à la vente. Oui, alors le lieu de culte, je disais. Ah mince, ils veulent de la police. Ouais, mais bon, j'aime bien les criminels, moi. Placer la tour du docteur Vu. Alors, comment je fais ça pour placer la tour du docteur Vu? Je veux placer la tour du docteur Vu. Non, ça, c'est le manoir Maxis. Ah, la tour Vu! Augmente le niveau technologique des bâtiments industriels environnants. Super. Accueille les expéditions de marchandises de l'industrie locale. Niveau touriste. Ah, ça, c'est bien ça. C'est parfait. Je vais installer la tour Vu.
Ah mince, j'ai pas assez de place ici. Trop fort, je peux. Trop fat. Ayant un taux de popularité de moins 75% pendant 24 heures, mon maire préféré. Ah. J'ai débloqué un truc. Super, moi j'ai placé la tour vue. Oh, par contre, il y a du malheur partout. Ouh, ça a pas plu à mes Sims là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ça n'a pas plu à mes Sims. J'ai 14 crimes commis par jour, mais ça, ça va être juste génial. Fermé pour processus d'embauche. D'accord. Oula, par contre, améliorer les routes. Ah oui, oui, j'ai pas amélioré les routes au niveau de l'industrie, effectivement. C'est génial, ça, je savais pas qu'on pouvait mettre en place des arbres au bord des routes. Ah bon? Ouais. Et voilà, ça commence déjà à se construire. J'améliore au maximum les routes au niveau de l'industrie, voilà. Ça ramène déjà... Ah là, je spam le clic gauche. C'est bon, j'ai un accident. Pourquoi il se plaint d'avoir une panne d'électricité, celui-là? Ok, c'est bon. Au niveau de la mine de charbon, ça va. J'espère qu'on va pouvoir augmenter la production. Je sais pas, je suis à 50 tonnes, 57 tonnes par jour. Oh, ça va vite descendre. Hein. Je vais essayer de rajouter encore des puits. Bah, ça va descendre vite. Hein. Non, j'ai atteint la limite. On va rajouter des camions. Roi du charbon, 100 tonnes de charbon. Génial. Extrayer 100 tonnes de charbon. On va rajouter les camions. Par contre, on va refaire un entrepôt commercial. Ou alors... J'ai pas moyen de... On va refaire un entrepôt commercial. Nous allons placer un poste de police. Nous allons lutter contre l'insécurité. Ah mince, j'ai déjà des classes pleines. On commence déjà à voir les premiers problèmes. Écoutez, je vais rajouter encore des classes. On va rajouter... Tac. On va rajouter encore une classe. Voilà! Parfait! Alors, j'ai le mettre où le poste de police. Là, il y a la place. Je vais le mettre juste à côté. On va mettre un autre bus aussi, j'y pensais. Mais en fait, je vais le mettre là, je pense. On va mettre deuxième bus. Voilà. Voilà. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Enseigne à 356 Sims sur 950. Bah là, je crois que j'ai augmenté les capacités. Hein. Vous viendrez pas vous plaindre après. On va réaugmenter encore les... Ah putain, j'avais pas regardé, mais j'ai plus de thunes. Oh là là, oh là là, oh là là. Meurtrier en liberté. Un meurtre épouvantable met la police locale sous le feu des projecteurs. Mais que fait la police? Pourquoi les criminels peuvent-ils ainsi proliférer? Autant de gestion... De questions... Ah bah j'ai pas de questions gênantes. Et après... Oulala, oulala. Où j'ai des industries... Beaucoup d'industries de haute densité, j'ai l'impression. Ah, j'ai un braquage en cours actuellement. Et... Voilà, nous avons mis en place un poste de police chez nous parce que nous n'aimons pas le crime. Ah mince, mince. Nous sommes contre la pègre. Oh, t'es pas drôle. Bon, ça embauche de mon côté, ça embauche, ça embauche. Je vais ici améliorer. Et puisque nous sommes contre la pègre, nous allons lutter contre l'insécurité de la ville d'à côté. Ah mince. Ah non, 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 ça je suis pas d'accord. On va lui envoyer deux voitures de police. Oh. Ça je refuse. Voilà. Je suis en droit de refuser. On est obligé de faire la police chez nous et chez le voisin. Non, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, oh, je vais rajouter. Tu viens de voir ma ville, mon Learn. Viens voir ma ville, viens, rapidement. Attends deux secondes. Je place des trucs qui augmentent la valeur du terrain. Voilà. Superbe. Voilà, j'ai attiré plein de Sims. Par contre, il faut que j'améliore juste les routes. Et je suis à toi dans un instant. Ah, le commerce de charbon, finalement, ça me fait pas mal évoluer. Hein. Ah, ben c'est là un lieu de culte, en fait, j'ai trouvé. C'est quoi? En fait, c'est dans spécialisation, ouais. Culture. D'accord. Lieu de culte. Ok. Je vais faire ça, deux secondes. Putain, ça me coûte une blinde d'améliorer les routes. Alors, où est-ce qu'on le fait, notre lieu de culte? Hein, les gens? Ah bah, excellente question. Voilà, je crois que j'ai amélioré toutes les routes chez moi. Ouh, j'ai déjà des problèmes. Alors, je suis pas très culture, moi, donc si on pouvait le mettre en plein cœur de la zone industrielle, ça m'arrangerait. Ah, par contre, ça genre au bout du chemin en terre, là, vous voyez, ça irait très bien, je pense. Oh, quand même pas leur faire ça, les pauvres messieurs. Ah, ouais, ah, les voleurs traversent la frontière de Pointpin. Ah, mauvais choix. Ouh là là, attention.
Police, ouais, c'est la merde avec ma police. Trop cupide et trop gourmand. Extrayez 100 tonnes de charbon au minerai brut dans votre ville pour la catastrophe tremblement de terre. Génial. Et je produis 103 tonnes par jour. Oh, c'est génial. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai 17 sbires à la tour vue. Je peux lâcher les sbires. Bah écoute, pour finir, je propose de lâcher les sbires. Wouhou! Alors maintenant, faut que je vois au niveau crime. C'est où le crime? C'est là le crime. Carte de la criminalité. Il a lâché les sbires. Ouh putain, ils sortent! Oulala, ils sortent en nombre! Ouh la vache! Oulala! La criminalité nous inquiète. Ouh, j'ai de l'agression. Ouh, y a des coups de feu là. Ouh, c'est la guerre, c'est la guerre. Ouh, c'est la guerre. Ouh, y a. Oulala. Ouh, y a des vols à l'étalage. Il y a du cambriolage. Enfin, du braquage même. Oh la vache, je suis trop fier là. Ah, c'est parfait. Donc ça sera pour le prochain épisode, les gens, je le garde là. Une ville pleine de crimes. Et j'ai mes premiers immeubles, moi aussi, et je gagne 4700. Bon, bah, ce fut un bel épisode. Écoute, je te propose de nous laisser ici, mon cher Yanamu. Bah, avant, Yanamu. Ah oui, attends, ville, attends, ouais, d'accord, j'installe juste le lieu de culte. C'est où, culture? Donc, spécialisation, culture. Culte. Lieu de culte? Voilà, lieu de culte. Et je vous fous une église, parce que moi, je suis un... Je fais la même chose, j'ai remis une église. Juste à côté de la compagnie d'assurance en fait, comme ça ils vont prier et puis après ils vont se faire assurer. Voilà, j'ai placé un lieu de culte, maintenant raboule la thune. Je veux dire, non, j'ai pas envie. Voilà. Oh, c'est quoi cette tour vue là? Ah, c'est trop bien, c'est excellent. Butin, 550, oh c'est trop bien. Ah, je peux aussi faire un lâcher de sbires moi de chez toi. Ça augmente le niveau technologique, mais bon... Mécontent. Attends, c'est quoi? Mécontent d'avoir manqué de main-d'œuvre. Ils veulent de la main-d'œuvre. Bon, allez, je vais visiter ta ville, écoute. Puisque tu me le proposes. Rendre visite. Et puis, on va se laisser là-dessus, les gens. Voilà. Sur la visite de Poinpin. Qui, j'espère, va changer de nom. Oh, il a une école. J'espère qu'elle va changer de nom rapidement, Poinpin. Ah, ouais, c'est très verdoyant, celui chez toi. Qu'est-ce que tu as construit? Bureau progressif, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est un truc qui me rapporte du fric, donc je suis d'accord. Couverture de 50% active. Taux début de couverture, c'est une compagnie d'assurance, ça? C'est une compagnie d'assurance. Oh, génial! T'as trouvé ça où? Aucune idée. D'accord. Ok. Vraiment aucune idée, j'ai trouvé ça, je sais plus où c'est que j'ai trouvé. Bah, de toute façon, tu verras sur la vidéo, hein. Ouais, effectivement, c'est vrai. Bon, eh bien, écoute... Oh, il y a des immeubles abandonnés dans tous les sens, learn to play. On va cesser là-dessus, écoute. Bah, 27 crimes commis par jour chez toi, 34 criminels en... Attends, je reviens, je veux voir ça. Je veux voir ça, c'est trop bien. Je veux voir ça. Voyons voir. Oh. Réticulation des spins, allez, plus vite. Oh. Mais qu'est-ce que tu dis? J'ai pas plein de bâtiments abandonnés, qu'est-ce que tu racontes? Ah si. Ah ouais, j'ai plein de bâtiments abandonnés. Ah si. Oh, tous les criminels que t'as, sans déconner. Ah, c'est trop bien. Malheur, quoi. C'est génial, hein. Par contre, ils sont en train de pourrir. Putain, il y a trop de feu. Alors, là. On va s'en aller, hein. Cette ville est vraiment... pourrie. ouais, tu peux le dire. Bon, je vais juste rajouter... Oh, il y a la pègre et tout. Je vais juste rajouter du camion de pompiers. Ah, j'avais pas mis le petit panneau. Ah, les gens, ils s'enfuient. Et le petit drapeau. Cours, et la petite cloche. Qui augmente l'efficacité, bien sûr. Oh là 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 là, mais c'est la mort chez toi, sans déconner. J'aurais dû installer ma caserne de pompiers plus proche de l'industrie, effectivement. Ça aurait été plus judicieux. Bon, écoute, ouais. On va se laisser là, hein. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, hein. Et puis, on vous retrouve pour une prochaine avec vous, hein. Je pense. Ce coup-ci avec vous, oui, parce qu'on aura reçu les commentaires du premier épisode. Ouais. Je pense que voilà, on va pas refilmer d'ici là. Enfin, j'espère. Ouais. On ira sur Civilization. Mais tu l'as eu où la tour vue, toi? J'ai le pack, j'ai l'édition de luxe, je sais pas quoi là. D'accord. Édition ultra limitée ou machin qui m'a coûté 60 boules. j'aime bien dire ça parce que. J'aime bien dire ça parce que ça m'a coûté la peau du cul. Dis-toi bien que mon maire il se balade en voiture de police chez toi. Tu m'étonnes, c'est normal. c'est normal. Ah, criminalité trop élevée. Il y a une voiture de police chez moi qui est en train de patrouiller chez toi, tu sais. Bon, allez, portez-vous bien sur ce, les amis. Oh, j'ai plus que 6000 habitants.
Ah oui, le crime, ça pardonne pas. Ah ouais, ah ouais. Bah je vais, ah ouais, je vais mettre un petit peu de police quand même, parce que là, j'ai plus d'habitants. Par contre, je gagne toujours autant par heure, hein, c'est ça qui est fun. Ah oui. Je vais quand même mettre de la Bah, police. regarde-moi, je suis à combien d'habitants, moi? Pas J'ai beaucoup. 8 000 habitants, moi. Pas assez de Sims Flouze. Oh, j'ai pas assez! Oh, il me faut 30 000. Ah, ça coûte cher le poste de police. Donc, les amis, c'est sur la vision de cette magnifique ville verdoyante à souhait. Avec l'église ici présente. Attends, je vais rajouter de la police. Ouais, pour finir. Youhou! Voyez, Voilà, hein. j'ai de la police. Faut avouer quand même que chez moi, c'est beau. Ah, j'ai des policiers qui... Ouais, des policiers de chez toi qui sont ramenés. On va juste finir ça. Putain, c'est abusé, on n'arrive pas à se laisser, là. C'est chaud. Chez moi, c'est beau, c'est Ah, verdoyant, j'ai c'est pas assez de Sims Flouze. luxurieux, c'est... C'est moche. Hein, les gens? Moi, c'est plus beau. Bon, allez, écoute, on va se laisser là. Allez, salut à tous et portez-vous bien! Donc les amis, à très bientôt pour le prochain épisode. Ouais. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. Tout ce qu'il N'hésitez faut. pas à critiquer la coupe de cheveux de Learn to Play. Voilà, Quoi? ça c'est fait. Même pas vu, c'est quoi ce délire? Bon, T'as une allez. coupe afro, hein? Ouais, Ouais, ça y est, bah c'est ouais, ça, c'est une vrai coupe en plus. afro, oui. Puissance supérieure, allez hop! Allez, ciao ciao les gens, je vous remercie à tous. Portez-vous bien. Portez-vous bien!